Quand je vis à maintenant pour nous conduire à la découverte de ce qui fait l'actualité vue par les canards à nos parvenus ce jour. Quand je vis à maintenant, bonjour. Bonjour Joël Lietondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Chaque jour avec son sujet. Tout à fait. Et Dieu sait qu'ils sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure que les jours passent. Tout à fait. Les législatives ne manquent donc pas d'occuper le devant de la chose, sans oublier que aujourd'hui c'est la question judiciaire qui est beaucoup plus agité avec l'homme d'affaires Sébastien Ajavon qui doit retourner devant la, qui doit donc aller devant la criette. Est-ce que c'est pour rejuger l'affaire des 18 kg de cocaïne qui a déjà l'autorité de la chose jugée ou simplement l'écouter et enclencher donc sa plainte qu'il a entre-temps déposée au niveau de la justice n'a jamais prospéré. C'est des interrogations, c'est des supputations les uns les autres. En tout cas, le 4 octobre sont attendus donc pour des éclairages. Le parti restauré, l'espoir, est sorti aussi de son mutisme. Il y a une déclaration avec des mots forts. Ils sont parlés donc à les deux mains mortes. Quelques presse également en ont fait écho. C'est entre autres sujets qui dominent l'actualité à la une des journaux. Écoutez, on démarre avec Dynamisme Info qui affiche donc en grand titre saisine de la criette dans le dossier de poursuite d'anciens ministres. Une preuve de l'inutilité publique de la Haute Cour de justice s'interroge le canard. Nourinou Atchadé, en tout cas, interpelle le gouvernement à cet effet. Ajavon Sébastien, l'autre affaire qui fait accroître les inquiétudes. Faible représentativité des femmes au sein des CCA. Le BMP en contradiction avec ses promesses de promotion de la gente féminine. Et puis, positionnement au sein de dynamique unitaire pour les élections à venir. La jeunesse UDBN exprime de droit ses inquiétudes. Quotidien, la dépêche, affaire dite cocaïne. La criette pour rejuger s'interroge le journal. Gouvernance sous la rupture vue par restaurer l'espoir. Une dangereuse démolition de l'État de droit selon Restaurer l'espoir et puis gestion au sommet de l'État. Nicéphore Soglo revient à la charge et tacle Patrice Talon. L'Afrique en marche, point de presse du parti Restaurer l'espoir. Guimi Tocqueville appelle à l'Inter contre le pouvoir de la rupture et puis donc aux pratiques mafieuses au sommet de l'État. Convocation du président d'honneur de l'USL. Talon redoute Ajavon à la cour d'Arusha. La criette, une stratégie pour retarder le verdict. Lutte contre la corruption, les propositions de l'USL pour circonscrire le mal. Le fait d'occuper ou d'avoir occupé une fonction politique ne doit pas être un alibi pour échapper à la justice, préconise le parti. L'audace info, Sébastien Ajavon victime à nouveau de la ruse et de la rage. La criette, une entorse au droit pour dire le droit, c'est une interrogation également à la une de ce journal. Matin libre, actualité nationale, qui groupée de l'opposition, la rupture sans argument. Et puis gouvernance sous Patrice Talon, restaurer l'espoir, fustige la démolition de l'État de droit. Palmarès, point de presse du parti Restaurer l'espoir, Guy Mitope tire à boulet rouge sur Talon. Ce régime est obnubilé par la loi de l'argent. Quotidien, point. Média pour terminer, gouvernance socio-économique et politique du Bénin. Le parti Restaurer l'espoir expose des déboires du pouvoir. Talon et fait de nobles recommandations pour sauver les meubles. Amendement de la Constitution, les propositions lucides et pertinentes de l'USL. Et puis, naissance du mouvement Initiative, le réveil de la jeunesse qui doit faire trembler. Poste de péage d'Ekpe, la criette aux trousses des agents pour manœuvre frauduleuse. Merci à vous, Kodjou Yamitonou. On va très rapidement à la une de Palmarès. Point de presse du parti Restaurer l'espoir. Mitope tire à boulet rouge sur Talon. Ce régime, dit-il, est obnubilé par la loi de l'argent. Oui, pas la loi de l'argent. Lorsque vous lisez, j'ai un peu à l'entame, je le disais, les expressions utilisées par le parti Restaurer l'espoir au cours de cette sortie médiatique ne sont pas forcément loin de celles des initiatives, aussi bien de Niki, de Parakou, de Ouida, d'Akpakpa comme de Cotonou jusque-là. Donc c'est dire simplement que la jeunesse peine donc à se retrouver dans la gouvernance actuelle. Et quand vous lisez un peu la déclaration des mariages incestueux entre les clans au pouvoir ou
des délits d'initié sont commis tous les jours, où on prend la République pour sa chasse gardée, où les petites sources potentielles de revenus sont gardées par le clan présidentiel. Ce sont des observations donc du parti. On a l'impression que l'on ne gouverne que par l'argent. Et lorsque vous en disposez un peu, que vous ne parlez pas le même langage avec le pouvoir, eh bien c'est la machine, c'est l'appareil judiciaire qui est retourné contre vous. Une cour spéciale aujourd'hui est créée et fait peur, fait trembler, alors que la justice en réalité devait sécuriser le citoyen. C'est-à-dire donc que la patrie Bénin n'est pas encore en danger, mais n'en est pas loin. Ah oui, on n'est pas loin. Et il y a tellement de voix qui s'élèvent appelant à ce que les fils de ce pays commencent par se donner la main. Pour regarder ensemble dans la même direction, pendant ce temps, Matin Libre revient sur ces différentes sorties et notes qu'il y a eu suffisamment de tirs groupés de l'opposition, dit-il, et de s'interroger, la rupture serait-elle sans argument? Parce qu'il y a eu beaucoup de sujets bandits. Ah oui, vous savez, lorsque le président de la République, au lendemain donc de la victoire au second tour de la présidentielle, s'exprimait donc devant la presse, il a dit il n'y aura pas de chasse aux sorcières, parce que simplement, il a cité des noms qui étaient autour de lui. Parmi ces noms aujourd'hui, ce sont les plus visés. On a l'impression que c'est des gens qui devraient donc être traqués, qu'il avait énumérés en son temps. Et il a motivé donc sa déclaration comme quoi la chasse aux sorcières ne favorise pas le développement ni la cohésion nationale. Aujourd'hui, on se demande, à la lumière des faits et gestes du quotidien, si vraiment il est en phase avec ses propos ou véritablement la parole du chef ne vaut plus un pesant d'or. Là-dessus, oui, l'opposition a le droit de réagir. Lorsque, à l'Assemblée nationale, vous leur arrachez la parole dans les rues, vous les empêchez de tenir leur marche pacifique, et même dans les lieux de regroupement, les meetings sont interdits, eh bien, allez-y donc comprendre pourquoi cette réaction aussi acerbe de l'opposition vis-à-vis de la rupture. Maintenant, la rupture serait-elle en manque d'arguments? Bon, moi je serais le dire, parce qu'il y a des turiféraires du régime qui continuent sur les réseaux sociaux d'alimenter donc la toile avec des arguments même aussi fallacieux ou bedons. Mais dites-vous, quand vous parlez d'asphaltage par exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire à une population qui dit « j'attends toujours le démarrage ». Il n'y a pas d'argument pour le persuader, parce qu'effectivement, ça n'a pas commencé. Tout ce qui a été enclenché aujourd'hui, vous allez dans Boumé-Calavi, la voie qui donne accès à Tori en passant par Ouattara aujourd'hui, c'est une dégradation totale. Les populations se demandent mais pourquoi on nous a cassé. Des gens sont aujourd'hui sans abri, mais la voie qu'on a tant chantée n'a pas démarré, ou carrément le chantier est bloqué. Et ce n'est pas la seule voie. Il y a beaucoup de chantiers aujourd'hui abandonnés, des universités ont été déplacées, on ne sait jamais si ça a été déjà effectif ailleurs. Bref, on a ouvert plusieurs fronts et on est incapable véritablement assurer la continuité. Ça pose problème, et quand vous êtes dans cette situation, je ne vois pas ce que vous pouvez servir à la population. Quand je viens maintenant, oui, il y a beaucoup de chantiers sur lesquels le gouvernement est attendu, et ce qui pose problème encore, croit savoir. Dynamisme, info, c'est une autre promesse tout aussi importante que l'autre que vous avez eu à évoquer. Faible représentativité des femmes au sein des CCA, écrit Dynamisme, info, le BMP en contradiction avec ses promesses, voilà, de promotion de la jeune féminine. Vous vous rappelez, sur ce même plateau, l'honorable Djenotin avait dit que bien, ce qui s'est dit, autour duquel ils ont entendu à grand propos, c'est pas ça. Ses collègues à l'Assemblée nationale, surtout regroupés au sein du BMP, ont dit, donc ils ont menti aux femmes. Et quand nous avons lu un peu leurs propositions ici, c'est entre autres assurer leur représentativité au niveau des conseils communaux, en tout cas, les collectivités locales, oui. En poste et tout. Donc c'est pas vous encourager à être ministre ou vous encourager à être député. Maintenant, si on ne vous fait pas représenter au niveau de l'actualisation de la République, vous n'avez pas à vous plaindre. Donc, il revient donc à la jeunesse féminine. Nous l'avons dit ici, on n'a pas besoin de faire leur promotion. Les femmes battantes, on les connaît, et elles se donnent aussi tous les jours les moyens et les possibilités de se faire entendre. Ça voudra simplement dire que lorsque vous méritez, en tant que femme, une place, vous allez forcément vous retrouver là. Et lorsqu'un politique vous ment, et à travers donc des tests, exprime l'ambition de vous mettre quelque part, eh bien, sachez toujours que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ah, là-dessus, oui. Elles ont constaté déjà les faits.
En tout cas, question de promesse, ça ne finit pas de défrayer la chronique de Via Métonon. On dit qu'on a encore quelques minutes. J'évoque l'autre sujet avec vous, toujours avec Dynamisme Info. Je lis exactement ce qui est écrit. Positionnement au sein de dynamique unitaire pour les élections à venir. La jeunesse UDBN exprime de droit ses inquiétudes. UDBN, il fait partie quand même des derniers venus au sein de cette dynamique. Là-dessus, vous savez, le PRD doit positionner, comme cela se doit, ses militants. Le mouvement ABT, Sakalafia et autres avec leur parti, chacun doit pouvoir, en tout cas les premiers acteurs de ce regroupement doivent quand même mieux positionner les leurs. Et aujourd'hui, vous imaginez cette jeunesse de l'UDBN dont la présidente a fini par sauter les pieds joints dans cette dynamique. Vous pensez qu'elle sera la mieux lotie? Ah non, hier on l'avait déjà évoqué, c'est de bon droit que cette jeunesse-là monte au créneau pour exprimer donc ses inquiétudes, mais si elle trouvait peut-être quelques portions congrues, elle n'a qu'à s'en contenter. Dynamique, ce n'est pas pour eux. Merci, Kodjovi. À maintenant, mesdames, messieurs, merci une fois de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain.